Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M pour l'émission Porte-Parole. C'est quoi le but de notre émission? C'est très simple. Nous, on veut toucher, inspirer et vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Victor Frankel disait L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. À chaque heure, madame Lavigueur José de son prénom. Merci d'être là. Ah, je suis tellement contente. Déjà, je trouve que la musique est magnifique. Let's go. Yes. Merci pour l'invitation, Jean-Marie. Ouais, c'est le fun. Nous ça fait, c'est drôle parce que on peut pas dire qu'on est des grands chums, mais on a tout le temps, comme ton chandail l'indique, good vibes. <laughs> ouais. On a tout le temps une bonne connexion, ouais. une bonne vibration ouais. quand on se voit. Puis on pourrait passer l'heure à essayer de trouver comment ça se fait qu'on qu connecte. Pis... On est vraiment des atomes crochus, ouais. clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, je pense que l'émission s'appelle porte-parole et as été et tu es porte-parole d'un paquet d'affaires depuis très longtemps. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es une des belles Ambassadrice de la santé au Québec. Ben, belle, je ne sais pas, mais... <laughs> Bonne ambassadrice. Oui, ben, ça fait longtemps que je suis une ambassadrice de la santé. J'aime ça, ce titre-là, parce que c'est qu'on aime ça ou pas, c'est ça, c'est le message que je porte. Mmh. Depuis très longtemps que je portais toujours, et ça part vraiment, ça, ça part de la famille. On a toujours bougé énormément chez moi. J'ai grandi dans l'activité physique, j'ai grandi dans la forêt, j'ai grandi en camping, j'ai grandi dans des montagnes de l'estrie. Là, j'ai toujours eu du fun à jouer. Et à mon âge, je, je suis devenue danseuse, donc je dansais, je bougeais. Et finalement, je suis allée faire mon bac en éducation physique. Puis c'est là que j'ai eu le goût de. Oh, on dirait propager la bonne nouvelle. Je, je voulais euh, euh, dire aux gens, regarde, il faut bouger, il faut s'activer, il faut, oui, peut-être essayer de manger mieux, il faut améliorer nos habitudes de vie pour vieillir en santé. Mm -hmm. Puis ça, ça fait vraiment très très longtemps. Tu sais, mais le message euh, est passé par différentes avenues et a été, euh, je dirais, soumis à différentes tendances, mais est resté le même tu sais, plus que... que jamais, je dirais. Mais en même temps, tu regardes des ambassadeurs, ambassadrices. On en a quand même plusieurs au Québec, ce oui. soit Pierre Lavoie, oh Sylvie Bernier. Oui. c'est des gens qui le sont devenus un peu malgré eux. Mm -hmm. C'est comme la vie où quelqu'un est venu cogner à leur porte. Voudrais-tu, à cette heure que es médaillé ouais. Voudrais tu des médaillés d'or Voudrais-tu faire ci Puis tu sais, je veux pas mettre des, des mots dans, dans la bouche de Sylvie. Je la connais. On a fait des entrevues là-dessus, mais T'sais, Pierre Lavoie, il a fait des triathlons, il a eu des badlocks, il a perdu deux enfants. Il est devenu un ambassadeur, mmh. un éveilleur. Mmh. Hein, il brasse les choses, vraiment. Pierre aussi. Ouais, vraiment. En, tandis que toi, il y a quelque chose qui est complètement intrinsèque à toi, tes études, ta façon de vivre. Et l'élan qui vient de l'intérieur d'être un preacher, de la, de la <laughs> bonne santé, ouais. de la mise en forme, c'est tellement intégré en toi ouais. depuis, depuis combien de temps? Ben, en fait, c'est ça. Je dirais que c'est depuis le bac. Euh, là, il faut que je mette une année là-dessus. Hein? Es-tu mets... capable? <laughs> est euh, diplôme en 86. Là, okay. je sais que vous êtes en train de faire des calculs, mais diplôme en 86. Et depuis ce temps-là, puis même avant, comme je disais, avant, je dansais. Mais là, j'étais je... pas à l'époque de... ou au stade d'en parler et d'influencer les autres. Mais... Tu faisais de la danse classique, ballet? Je faisais de la danse ballet. classique. Et... Okay. et très vite, je me suis retournée vers... Euh, à l'époque, le ballet de jazz, c'est très, très fort. Et... J'étais en secondaire 3 quand j'ai fondé ma première troupe de comédie musicale. Moi, là, c'était là que je m'en allais. Là. Moi, mon grand rêve, c'était de faire de la comédie musicale. D'ailleurs, j'en rêve encore, on ne sait jamais. <laughs> Mais j'ai tellement. Tellement aimé ça, Jean-Marie. On a fait toutes sortes. Je pourrais t'en parler pendant deux heures. Est-ce qu'on a deux heures? Mais, j donc, j'ai commencé là. Après, j'ai bifurqué vers l'éducation physique parce que je, je me disais. Euh, moi, j'étais la fille, Alex, dans Flashdance. Tu te rappelles-tu de ça quand t'avais passé les auditions pour les grandes écoles ou les ballets? Ben oui. Ballet. Ben oui. Puis là, elle regarde autour d'elle, puis elle fait fit pas tant. Tu sais, c'est comme ses bottines de construction, puis les filles mmh, à côté, ils ont, mmh. ils ont les pointes, puis le tutu. Puis, tu sais, moi, je suis allée à ces grandes auditions-là dans le but d'en de, faire une carrière, mais là, je me suis dit, c'est peut-être pas tant mon. Euh, c'est pas là que je vais être heureuse. Mm -hmm. Je sentais trop de pression, trop de compétition. Et j'ai fait une demande, donc, euh, en éducation physique à, à l'Université de Montréal. J'ai été acceptée. J'ai eu un grand choix à faire parce que j'avais la possibilité d'aller dans les deux programmes. Puis je suis allée là. Les là, deux programmes en danse et en, en éducation, éducation physique. physique. Ouais, en danse à UCAM ou euh, en éducation physique à Montréal. Je suis allée en éducation physique et là, là, ma vie a changé. Je buvais les paroles des profs. J'étais. Tu sais, moi, la traumatologie, anatomie, physiologie, là, j'ai réalisé à quel point ça me passionnait. Ça me passionne encore aujourd'hui. Et je te dis, j'étais en première année d'éducation physique, puis j une, je retrouve une chum du, euh, du secondaire qui, elle, travaillait dans un centre de conditionnement physique. Moi, je ne connaissais pas ça, la danse aérobique, à l'époque. Et elle, elle, elle me dit, « Toi, là, je sais que tu as toujours aimé danser. Viens donc faire ça, de la danse aérobique. » Tu sais, à l'époque, ça, ça montait en flèche. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les auditions pour enseigner le, la danse aérobique. Puis, ben c'est ça. Ça fait depuis 1986 que je donne des cours. Mais là, ça, c'est-tu à l'époque du Nautilus? Oh, ouais. Tu as commencé à enseigner ouais, des cours de danse aérobique. À Brossard. Au, à Brossard, oh, ouais. sur la rue Panama. Oui, exactement. Mais oui, mais c'était un des centres hyper populaires. C'était le gros, un gros centre, centre de ouais. la Rive ouais, ouais. Sud. Ça a beaucoup changé. tu sais, mm -hmm. euh, Les gyms, euh, l'engouement pour les gyms, tout ça. les tendances aussi en, en entraînement, ben ouais. en cours, en groupe. Mais à cette époque-là, la danse aérobique et un peu plus tard le step ont, euh, ont vraiment euh, ouais. été très, très populaires. Puis, j'ai enseigné, j'ai eu le grand, grand privilège. Euh, en finissant mon bac, de me retrouver au Cégep de Saint-Laurent comme prof d'éducation physique, j'ai adoré ça, Jean-Marie, -Jean hein, tellement aimé ça. Ta première vraie ouais, job. Ma première là. vraie job, c'était ça. Et là, je tripe ma vie parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir influencer des jeunes, de mmh, pouvoir mmh. les aider à faire des choix. Nan, nan. Puis surtout qu'au Cégep, ben tu le sais, c'est tu sais, ceux qui ont pas le goût de te voir, ben ils viennent pas au cours. c'est tu sais, C'est l'avantage d'être un, un prof au collégial, mais bon. Et tu sais, et, et là, euh, 94. La ministre Robillard devient ministre de l'Éducation. Et c'est là le grand virage au Québec. C'est qu'elle, elle annonce, elle décide que les cours d'éducation physique au Cégep, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Et elle a coupé. On avait quatre obligatoires en quatre sessions. Ben oui. Elle, elle les a fait tomber à zéro. Après, c'est revenu. Il y a eu le ministre Garon qui, qui les a ramenés à deux. Puis après, c'est revenu. Mais ça pour dire que, ben moi, j'étais la plus jeune du département. On était, quoi, cinq à pas avoir de permanence. Et donc, on a perdu notre travail. ben Jean-Marie, dans le mois que suivi, j'ai reçu un appel de RDS parce que j'avais gagné une compétition de danse aérobique euh, dans l'Ouest canadien là, bon, dans les mois précédents. Puis, on a fait une petite tournée média. Et, et là, il y a un producteur de RDS qui fait comme, « Hey, euh, t'as gagné une compétition d'aérobique. » qui avait dit ça comme ça. « D'aérobique. »« D'aérobique. » Ça tente d'animer un show sur les plages des clubs, med. Le timing est comme, euh, attends, attends, je te rappelle. Oh my God, oui, je te rappelle. Oui, c'est OK, j'ai tassé ah. des choses. Regarde, j'avais plus, plus de travail, tu sais. Fait que c'est comme ça que ma carrière est passée de l'éducation physique au cégep à la télé. En 94. 94 pile, oui. Ah, ouais. OK. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu es, es dans la jeune... Fin vingtaine. Ouais. Et. Euh, oui, je sais même plus. Oui, parce que moi, en 93, j'ai 28 ans, on est à peu près les mêmes années. Donc, tu à peu près, ouais. Donc, à peu près ouais. fin vingtaine, ouais. début trentaine. Ouais. Toi, ta vie a chiré, mais solide à ce moment-là. Là. Mais c'est tout quoi. Je dis complètement. Mais regarde bien. Moi, mon but d'envie, ce n'était pas d'être à la télé. c'était pas d'être reconnu euh, à, à l'épicerie, ou au restaurant. Mon but, c'est devenu venir influencer les gens, les aider à, à bouger plus, puis avoir les bénéfices. De l'activité physique, avoir du fun à bouger oui, mais, pour le faire longtemps. Mais tu quand sais. on te met un micro ou une caméra, ouais. imagine-tu la plateforme mais que ça, ça te donne? Mais C'est ça, ah. ah. ça qui m'emballe encore aujourd'hui. C'est ça qui m'a toujours emballé. C'est que là, je réalisais, parce que vite, ce qui s'est passé, c'est RDS pendant deux années. C'est devenu Rendez-vous Reebok, Rendez-vous. Après ça, c'est devenu Tonus à TVA. Oui. TVA a acheté ça. Et pour promouvoir Tonus, ben, je me retrouvais avec Guy Mongrain à Salut Bonjour ah oui. les mardis et les jeudis pour promouvoir l'émission du samedi. C'est comme ça que ça ben marche oui. souvent. bon C'est parfait. Et c'est là que j'ai commencé à saluer bonjour. On est en 99 quand j'ai commencé à saluer bonjour. Oh ça fait God. 21 ans de saluer bonjour. Fait... Mais tu sais, c'était pas « oh yes, je suis à saluer bonjour, les gens vont me reconnaître. » C'était « Oh my God, la plateforme », comme tu viens de le dire. Ben oui. le, le, le micro, l'opportunité d'aider tant de gens, de les influencer, de leur donner les ouais. bons outils. Mais à ce moment-là, toi, tu es devenu pas longtemps après, une femme d'affaires en produisant tes DVD, en faisant de, de l'activité physique un revenu, même ou pas, pas tantôt. Tour... Même non? pas. Moi là, j'ai jamais été en affaires, sauf non. depuis 2018. Je te dis. Eh. Hey, les DVD, c'est Musicor. Ça a été au début, ça a été euh, Jean-Marc Saint-Pierre et André Douillard. Ça s'appelait Mage Productions. Euh, et je, n'ai pas d'années, mais il y a, je dirais, une douzaine d'années, Musicor a pris... Le, le relais et euh, produits ils ont été tellement généreux avec moi. J'ai tellement, euh, tellement été gâtée par Québecor Musicor, encore aujourd'hui. Euh, pour vrai, j'ai rien, rien à dire. Euh, mais je n'étais pas productrice. Moi, j'étais payée pour euh, le contenu, ouais. l'animation, mm -hmm. et j'avais euh, des redevances, quelques redevances. Qui, qui, un peu comme moi, un auteur quand vend ses livres. Probablement. Les... Peut-être okay. un peu moins. <laughs> oh. Je ne sais pas. Ouais, euh, c'est un autre sujet. Mais, oh oui. mais c'est ça. Je l'acceptais. Tu sais quoi? Je me rappelle encore de Charles la On est dans un événement, on, on, on s'est rencontrés, euh, on jasait, on parlait de ça de DVD puis m'avait dit mais pourquoi tu te produis pas, comme man, tu ferais bien plus d'argent tu sais. Puis moi j'avais dit ouais, mais c'est tu quoi j'aurais bien moins de fun. puis <laughs> tu sais, avec ouais. du recul, j'ai l'impression que je serais peut-être même plus là aujourd'hui, je suis tellement momon là-dessus, faut que j'aille du fun Jean-Marie, mm -hmm. Je sais, je sais que c'est c'est bébé Lala. Je l'assume complètement, tu sais. Mais, euh, mais en même temps, euh, quand tu deviens ça. producteur, quand tu deviens concepteur, quand tu deviens homme ou femme d'affaires à travers ton métier, ce qui te fait vivre ce qui, ta passion, mm. c'est beaucoup de temps. Et ce temps-là, tu peux le moins le mettre à tes enfants, à ton exact, conjoint, exact. à d'autres projets, au bénévolat parce que du bénévolat, moi ça fait longtemps que je te vois aller, que ce Et soit avec opération Enfant Soleil, tu sais, je, tu sais, as été impliqué avec Nautilus, Énergie ouais. Cardio, puis à chaque fois c'est relié aussi opération Enfant ouais. Soleil, tu sais, ton, ton travail sert ton bénévolat aussi, Absolument. puis permet de faire véhiculer ton, ouais. ton beau message auprès ouais. de, de nos enfants qui ont des problèmes de santé. Ah, tu sais. ouais, Donc quelque important. part ce que tu mets de côté euh, comme temps, il est précieux et tu le redonnes. C'est ouais, important à fait. pour toi. Tout à fait. C'est pour ça. Dans le fond, j'étais bien parce que bon, c'est ça. Je, ça me permettait d'accepter plein de mandats, plein de, plein de beaux engagements en lien avec mes valeurs, en lien avec ma philosophie. Mm -hmm. euh, oui, à l'époque, j'avais des jeunes enfants. En plus, mes filles sont très collées. Tu sais, c est, c est, c est... Mais. Je trouvais toujours le temps. J'avais une gardienne incroyable. J'avais des parents super impliqués aussi euh, euh, auprès de mes filles, tu sais, qui, qui étaient toujours là pour m'aider, qui étaient tellement fiers, mes parents, de ce que je faisais. Mm -hmm. Ils étaient toujours là pour m'aider, pour me dépanner si j'avais un, un, une demande de dernière minute ou wow. si j'avais de la misère à m'organiser. Ah, mais là, tu viens de toucher. Ouais. Ah, là, ouais. je vais me mettre à broyer. Ouais. Tu viens de nommer tes parents. Ah, ouais. Puis là, ben tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas ne pas penser à. À tes, tes orphelines de tes parents en peu de temps. Papa, maman, un après l'autre. Oh, pas chouette! C'est drôle parce que Oh wow! Je n'ai pas entendu ça encore. Mmh. Que j'étais orpheline de parents, tu sais. Puis euh, mmh. ça m'a traversé euh, l'esprit, euh, évidemment, tu sais. Puis de réaliser aussi que mes filles sont orphelines de grands-parents maintenant. Mmh. Ils n'ont jamais eu de grand-père paternel parce qu'ils est décédé très jeune, mais. Mmh. Euh, on a perdu la mère de Normand, mon chum il y a deux semaines ben tout ouais. récemment Fait que, ouais c'est ça ça a été euh, écoute je j'ai même pas encore tout à fait les mots parce que le chagrin comme tu l'entends est, est encore très 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 grand mm -hmm. c'est il euh, y a quelqu'un qui m'a dit euh, un bon ami qui m'a dit récemment parce que je, on parlait puis j'arrêtais pas de pleurer puis j'ai quand même voyons j'ai de la peine comme ça tu sais puis il m'avait dit mais ça c'est dans le fond c'est le prix à payer pour avoir tant aimé tu, sais, tu l'as sûrement déjà entendu mm -hmm. moi j'avais jamais entendu ça puis j'ai fait comme Ouch, là, tu sais. Mm -hmm. puis c'est tu sais, aussi ce grand chagrin de d'avoir tellement d'amour pour quelqu'un mm -hmm. tellement d'admiration mes parents ont tellement une histoire extraordinaire mais tu sais, tellement d'admiration Tellement d'amour, mais ils ne sont plus là pour le recevoir. Oui. Tu sais, comme, ça fait que ça revient, tu sais, ça, ça nous rebondit dessus, hein? Tu sais, comme quand tu passes à ton père, pis mais ça nous rebondit dessus, puis ben on en est fait, obligé de l'absorber. La, va je vais te poser une question, tu ouvres une porte, ils ne sont plus là pour le recevoir. Qu'est-ce que tu sais? Je ne le sais pas. <laughs> C'est une maudite <laughs> bonne question. Et hey, crime que j'espère je, qu'ils sont là parce que je leur parle souvent. Mais je, oui. hey, on devient un peu gaga, hein? je sais pas, ah ouais. je ne vais pas généraliser mais My God, qu'on voudrait des signes. T'sais, moi, j'en ai pas eu de signes. Sauf un, un incroyable double arc-en-ciel au lendemain de, de l'enterrement des cendres de, de nos parents. C'est mm. tellement une belle histoire. Là. Mes parents, pour vrai, là, ma mère, elle avait les, elle avait les cendres. Juste, juste dire ça, l'enterrement. Oui, oui, oui. Ma mère, elle avait les cendres de, de papa chez elle euh, et elle nous avait dit je, il va m'attendre. Vous allez faire l'enterrement de nos cendres ensemble. Et si ça se peut, j'aimerais ça que vous les mélangiez ensemble. Et nous, on a fait oh, ça. Moi, j'ai mis les mains, là. Euh, oh, wow. j'espère que ça ne va pas déranger personne, mais j'ai vraiment mis les mains dans les cendres de, de mon père, de ma mère. Tip, on les a mixés ensemble. Mm -hmm. Et le 15 juillet dernier, on est allé mettre ça en terre. C'était mm -hmm. ça, son souhait. Je me rappelle encore à l'église, parce qu'on a fait une belle cérémonie. Ma mère, elle voulait ça, comme mon père. Puis mm -hmm. à l'église, à euh, euh, un moment donné, mon frère a fait le, le mot de la fin. Il est en avant, puis euh, il y a la, les cendres de ma mère seulement euh, à ce moment-là, parce qu'on ne les a pas encore mixées, tu comprends? Ouais. Et là, il s'en va en avant, pour prendre la parole, et son téléphone sonne devant l'audience. Tout le monde est comme, oui, on. Et <laughs> il prend son téléphone, et là, il dit, ouais, ouais, on s'en vient, là. Puis là, il met son téléphone comme ça sur son épaule, puis il fait ses pas. Ah écoute, on a broyé. Alors là, il racontait que c'était mon père qui appelait pour dire ben venez-vous me chercher chez, chez à la maison pour mélanger les sangs puis je sais pas si tu suis, je sais ben pas si mon histoire oui. est Claire. C'était tellement touchant, Jean-Marie, on riait, on pleurait, ça finissait la cérémonie sur une note exactement à l'image de mes parents qui avaient un humour incroyable. Euh, et qui s'attendait, c'est mon père qui attendait ma mère. Et puis, euh, ah, c'était beau, beau. C'est juste du beau. C'est juste du beau aussi. C'est juste de l'inspirant quand je pense à mes parents. Je veux juste que tu précises ce que tu viens de dire, parce que là, ton père est décédé, ta mère est décédée. Ouais. Là, les deux puis là, tu te dis, c'est ton père. Oui. C'est ton frère qui a tout raconté ouais, ça. Oh, oh, oui, c'est ça. Fait que là, il dit devant l'audience oui. à l'église, il dit, ouais, excusez là, c'est mon père, il s'impatiente parce que... <laughs> Ses cendres sont à la maison, puis oh, il attend qu'on vienne le chercher avec main. Il nous raconte ça parce que les gens dans l'audience la, dans ne savent pas qu'on va mélanger les cendres pour s'en aller au cimetière tout de suite après. T'sais. Mais il est donc bien ben, ben hot d'avoir pensé à hot. faire ça. Ben, c'est un vite, là mon frère. Là, il est donc bien hot ouais. d'avoir... Non, non, il était hot, puis tu sais quoi? Personne ne <laughs> le savait. Tout ce qu'il a fait, c'est... Il a dit à, 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 à sa blonde, Manon, il a dit, appelle-moi, genre, une minute avant, Manon est comme ben voyons, tu sais, elle comprend rien, mais elle fait confiance. Quand elle nous raconte ça, elle dit je suis venue comme blind, mais je comprenais pas ce qui se passait. Et comme de fait, ben c'est ça. Elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu. Le oh, téléphone a sonné oh. au pile au bon moment. Je t'ai dit c'était un scénario de film. Oh, c'était beau beau beau. Mais tu vois, à travers il y a cinq minutes. T'as le mouton gorge, t'as les yeux dans la graisse de bine. Ouais. Puis regarde comment tu souris. Ah ouais, c'est fou. Regarde comment c'est ouais. beau ouais. De, de, de parler de nos disparus avec ouais. autant de lumière, ah ouais. de beauté, de bonté. Donc, c'est notre plus bel héritage. Ouais, tu me fais du bien parce que c'est vrai que c'est ça. c'est comme ça qu'il faut continuer. Mmh. C'était la question que, que je me suis posée depuis plusieurs mmh. mois. OK, comment tu fais pour continuer quand il quand y a un si grand vide, tu sais, mais. Mmh. mais dans, le, je dirais que dans le, le bonheur de penser qu'ils sont là mm -hmm. il y a aussi l'importance de de se dire ils voudraient me voir heureuse ben évident c'est cliché mais c'est ça pareil et puis ils voudraient retrouver la Josie qu'ils ont tellement aimé ou la Joanne ou la Luc évidemment ah oui. ou le Luc mais ils mais, vous il aimait tellement ce que je faisais il avait tellement de fierté dans mon travail, comme autant comme porte-parole, comme peu importe ce que je faisais, il était tellement ben fier ouais. de nous trois euh, que dans le fond, ce qu'il faut, c'est continuer. Ah oui. Tu c'est ça. S'ils sont là, c'est ça qu'ils qu voudraient. Et des avoir eu longtemps vivant ah oui. dans ta vie, ouais. tu sais. Euh, T'es dans la cinquantaine, tes parents étaient vivants ouais. jusqu'à tout récemment. Ah, oui, oui, oui. On est privilégiés ah, de avoir longtemps, nos parents. Tu sais, quand je pense à mes filles, euh, aux quatre enfants de mon frère. Euh, ils ont eu leurs grands-parents. Je veux dire, ça faisait des livres jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Là, mon père, il disait ah ouais. à ceux qui sont plus éloignés euh, Hey, tu m'appelles n'importe quand, tu peux... mm -hmm. C'est sûr que je vais te chercher. Tu c'était dans le trouble. Tu le classique grand-papa parfait. Ah, oui. là, les les grands-parents taxi en plus. Oh my God, qui était présent. Mais pour, pour comprendre qui tu es davantage, juste avant qu'on qu tombe dans le studio, qu'on rentre dans le studio, tu tu avais commencé à me parler de, de tes parents, puis l'enfance, puis là, tu vis sur la Rive-Sud, mais ouais. tu n'as pas toujours vécu dans des dans une certaine abondance. Euh, j'ai volontairement coupé la parole pour te dire, non, parle tantôt, j'ai ah un ouais, ah, yeah. feeling qu'on va aller là. Et tu m'as lancé une balle curve, je t'ai dit, OK, tu viens de perdre tes parents, et là, on a ouvert un dossier. Ouais. On va ouvrir un uh -huh. dossier davantage parce que l'émission Porte-parole, on, on découvre les valeurs des gens. Okay, pour comprendre ben oui. pourquoi ils sont engagés dans la société. Mmh. Et je pense que toi, tu es directement relié, ton engagement avec tes parents, avec ton éducation, tes valeurs familiales. Je pense que ce que tu fais depuis plus de 30 ans est directement relié à tes valeurs. Ouais. Puis raconte-nous un peu ces histoires-là, là, de la maison, le déménagement que vous avez vécu avec votre grand-père. Oh, oui. C'est la base de ta vie, ça. Ouais, c'est une point, grande base. C'est le point de départ. Euh, parce que c'est drôle parce que je vais te dire les vrais trucs. Aujourd'hui, j'habite à Saint-Lambert, mm -hmm. parce que j'ai grandi à Saint-Lambert. Mais quand tu dis ça aux gens, il y, y, y avait tellement beaucoup de clichés autour de Saint-Lambert. Les gens font comme, ah oh, ouais, Saint-Lambert, et s'imaginent que tu as grandi dans, dans, dans le luxe. Dans le trèfle. Oui, c'est ça, ce qui n'est ouais, <laughs> pas nécessairement une réalité pour tout le monde parce que tu es à Saint-Lambert, fin de la parenthèse. Mais en fait, c'est ça, c'est que nous, on... mes parents viennent de Ville-le-Moine, ont des amis à ville moine euh, euh, Je suis née à Le-Moine, et, euh, et mon Dieu, j'essaie de te faire une très longue histoire, très courte. À trois ans et demi, ben presque quatre ans, je suis tombée sur la tête. J'ai eu une super facture du crâne, très, très grave, euh, qui a bouleversé évidemment la famille. Et euh, attends, mais il faut que je te raconte l'histoire de l'ange, là. Tu vas, tu vas capoter. L'ange! Ah, check bien ça. Okay. que Ça va prendre un deux minutes, un petit détour de deux minutes. C'est que je tombe sur la tête, on s'en va à. À, à l'hôpital, évidemment. Puis euh, à, après les tests et tout ça, mon, euh, mon chirurgien, comme mon, le docteur qui, euh, qui m'examine, il, euh, il dit à mes parents euh, là, euh, il y avait de l'épanchement de liquide dans sa tête. S'il n'y oui. avait pas eu cette fracture du crâne ouverte, je n'aurais pas survécu. C'est comme ça aurait pu être vraiment fatal. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il y ait déjà un, un épanchement de liquide? Et en fait, c'est que quelques mois avant, même plusieurs mois avant, on était allé glisser au Mont-Royal et ma tête avait cogné le devant du traîneau. Tu sais, t'as trois ans, ouais. arrives en bas, la tête cogne le devant des traîneaux de bois, là, tu sais. Mais tu sais, tu t'en vas pas nécessairement à l'hôpital pour ça. Mais mon père s'est souvenu de, cette, de cet événement-là. Oh. Et s'il si n'y avait pas eu la chute, donc d'une balançoire dans, le, dans la cave de, de la maison où on était, à le Moine, euh, on n'aurait pas, tu sais, il n'y aurait, aurait pas eu les... les euh, les conséquences, dans le fond, positives. Grâce pas si à dit... la fracture, ouais. on a découvert qu'il y avait un épanchement ouais, causé ça. par la luge. Ouais. T'es bon d'être capable de me suivre parce que je me suis pas moi-même. Non, mais tu aurais pu mourir. Oui, <laughs> exactement. C'est mourir, on le, on le voit pas venir. Ouais. Donc, ta exact. fracture t'a sauvé. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y avait un ange. Sauf wow. qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est juste, juste avant l'assurance maladie au Québec. Et ça a coûté une fortune à mes parents et ils se sont retrouvés sans le sou. Et on s'est en allé à Saint-Lambert, chez mon grand-père, qui était nouvellement veuf mmh. et qui avait un appartement sur la rue Saint-Denis. Euh, Puis, tu sais, je te dis ça avec le sourire, Jean-Marie, parce que pour mes parents, tu sais, je me mets aujourd'hui dans leur peau, ça devait être dramatique. Mais moi, là, et ma soeur et mon frère, on n'a que des souvenirs heureux. Tu sais, fait que l'abondance, là, de Saint-Lambert, oui, mais moi, c'est dans le sens de l'amour, du bonheur, du fun qu'on a eu, les, tu et les Noël, pour nous, là, c'était. On manquait de rien, là. C'était la messe de minuit, mes puis on revenait on se couchait pis le lendemain matin. C'était. Puis avec ton grand-père. Mais on était avec mon grand-père. Paternel, maternel? C'était euh, le grand-père adoptif de mon père. C'est une autre histoire compliquée. On a, <laughs> on a une autre heure? Mais non, pour vrai, c'était un grand-père adoptif de okay. mon père, parce que sa mère est décédée quand, quand il est né. Okay. Fait que euh, on sais, C'était un demi là. avec nous, les trois enfants, on, notre chambre, c'était le salon. Oh wow. c'est le salon qui donnait sur le parc Saint-Denis qui lui-même On... était veuf le grand père lui, donc, lui il devait être content de se ramasser Mais avec des nouveaux colocs. Oui. je pense que oui tu sais je connais pas toutes les okay. j'ai appris un peu plus tard que y... Y... Y aimait beaucoup l'alcool okay. j'ai appris ça donc quand je repense à ma mère entre autres tu à l'époque nos mères euh, faisaient tout là ah ouais. ça devait être quelque chose d'entretenir cet appartement là de gérer tu mais on était là longtemps. On était là jusqu'à ce que mon, mes parents puissent prendre un duplex encore à Saint-Lambert. Et un jour, finalement, en 1979, ils ont acheté un petit semi-détaché sur la rue Rivermere euh, à Saint-Lambert. Saint -Lambert. Puis d'ailleurs, qui est à vendre aujourd'hui. Oh. Ça me rend tellement mélancolique. Ben oui, parce qu'avec oh. le départ de maman, ben, on l'a mis à vendre. Parce qu'il euh... l'avaient encore. Ben oui. Oh, ben oui. Ils l'ont gardé toutes ben oui, ces années-là. Années okay. Mes parents, là, mmh. euh, mon père il est décédé en quatre jours d'une pneumonie. et mmh. ma mère, elle a fait une chute brutale dans cette euh, euh, autour de la maison. Donc euh, ça, ça s'est passé super vite dans les deux cas. Donc tu as des racines profondes à Saint-Lambert, ah. toi? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oh, wow. euh, oui, vraiment. Là, moi, je suis installée aussi, mon frère est là. Euh, mm -hmm. et, et ça, le, le bonheur d'être proche, euh, moi, je prenais une marge que chez mes parents. J'allais voir ma mère, euh, le printemps dernier, l'hiver dernier, à pied. Euh, ça, c'est extraordinaire quand la famille est proche aussi. Mais pour revenir à tes engagements comme porte-parole, mm -hmm. euh, explique-moi le lien entre l'hôpital Charlemagne tes implications avec le Téléthon Enfant-Soleil. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un lien avec tes petites bad d'enfance d'enfance au niveau de ta santé, mais c'est quoi, comment ça se fait que tu as abouti à t'impliquer autant auprès des enfants? Euh, vraiment des valeurs. Tantôt, tu as parlé des valeurs. Ouais. Euh, mes parents étaient les premiers à lever la main quand, justement, il y avait des enfants malades, quand... Euh, quand il y avait des causes de ce type-là, tu sais, Opération Enfant Soleil et tous les téléthons pour les enfants, ça fait longtemps qu'il y en a. Puis je me souviens que mes parents, ils avaient toujours la main. Ils étaient, tu sais, malgré leur situation financière, ils étaient toujours prêts à s'impliquer, à faire du bénévolat dans, dans la région aussi. À Lemoine, ils faisaient du bénévolat aussi beaucoup. Mmh. Euh, mais mon histoire. Euh, part de, de Lemoine aussi, de, pas de, de Lemoine, mais de Charlemagne de l'hôpital. Euh, après, j'ai eu ma première fille à Charlemagne. Oh. Euh, mais tu es impliqué aussi à l'hôpital? Ben port, oui, port oui, oui ou je la porte la parole avec, justement, avec Sophie Lorraine que tu as reçu en entrevue, oui. et, euh, et d'autres personnes, Dominique Carpin, notamment mm -hmm. José Boudreau, euh, Michel Louvain. On est l'équipe de porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Charlemagne, qui maintenant, c'est un événement qui s'appelle le défi des générations, que je ouais. trouve extraordinaire, ouais. parce que c'est les hôpitaux qui se donnent la main, les hôpitaux partout au Québec, beau, les fondations, en fait, qui se donnent la main pour, pour aider le système de la santé. T'sais. Mais ça part vraiment de ce... Dans le il n'y a même pas... Quand je me pose la question, là, comme là, là, il n'y a, a pas vraiment de Ah, oh, je le fais-tu, je le fais. C'est comme quelque chose de je me tourne la tête, hein? <laughs> C'est comme quelque chose de de vraiment naturel. Mm -hmm. Tu pour moi, l'Opération François Lay, ça, ça, doit faire 18 ans, 17 ou 18 ans. Et c'est il euh, n'y a pas, il y a pas de question là, là je fais parce que c'est incroyable de voir, de constater la différence qu'on fait, tu le sais très bien Jean-Marie, avec ces implications-là, mm -hmm. avec des rencontres. J'ai rencontré pas plus tard qu'il y a deux semaines un prof d'éducation physique justement à Salaberry-de-Valleyfield qui, lui, voulait travailler dans une école, eh, peut-être même que tu le connais, Dominique Gervais, il travaille dans une école de primaire de Salaberry-de-Valleyfield euh, avec des groupes, euh, avec des troubles d'autisme des troubles de paralysie cérébrale, en tout cas toutes sortes d'obstacles géants. Mm -hmm. Lui, c'est ce qu'il voulait. Tu sais, C'était son choix. Alors, euh, il fait des demandes d'octroi auprès d'opérations Force pour avoir de l'équipement euh, adapté pour rendre heureux ces enfants-là et leur permettre de découvrir mmh. le plaisir de bouger. Tu sais. oh, C'est tellement un discours qui m'allume. Ben on oui. est allé, tu sais, on est allé faire un reportage qui va être euh, euh, utilisé seulement au Téléthon, mais tu sais, on est allé le rencontrer. Et, tu sais, ça me donnait des grands, grands frissons. Je repartais là, puis j'avais tu sais, les larmes aux yeux de mmh. penser à, à ce gars-là père de famille, euh, lui-même TDAH, tu sais, qui peut-être que même justement c'est ça qu qui lui donne l'élan tu sais, d'être aussi euh, dévoué à sa cause, tu sais bref euh... mais de voir que toi je vois ce que tu reçois ouais. parce ouais, que ouais. T es, t es bouleversé, es inspiré autant par des Dominique Gervais de ce monde ouais, ouais. que des que des enfants qui ont un handicap ou qui ont une maladie ah, ouais. on est inspiré mais avec le recul depuis presque 20 ans, tu vois-tu l'impact de la recherche, de l'argent qu'on ramasse? Parce que l'argent qu'on ramasse, là, ce pas pour des salaires, c'est oh pour God. de la recherche. Ah, oh, c'est fou. C'est fou. Pour opération Face Soleil, l'argent va vraiment aux équipements, mm -hmm. va vraiment directement aux enfants pour le soin, des, les soins des ah enfants. Oui. Euh, va Par exemple, je, je vais toujours me rappeler, je te donne un exemple super concret, on est en Gaspésie pour une remise d'octroi parce que quand le printemps a, approche ou quand le printemps arrive, sur plusieurs semaines, on se divise à l'équipe d'animateurs, le Québec au complet, puis on va distribuer des octroites. On est le Père Noël, on tripe, c'est tellement extraordinaire. Là. Et là, on va dans différents organismes, des petites petites classes, des grosses, grosses places. Et on est en Gaspésie, puis on est dans un souper euh, avec deux docteurs qui représentent Opération Enfant Soleil en Gaspésie. Et là, pendant le souper, il y a un docteur qui reçoit un appel. Euh, alors on part, il part en hélicoptère genre dans deux heures avec un enfant qui, euh, qui est grandement blessé, qui est gravement blessé. C'est maintenant. Et c'était vraiment grave parce que les parents ne pouvaient pas l'accompagner, Jean-Marie. C'était un petit peu de quatre ans là. Tu alors lui devait partir seul avec le pilote et l'enfant et les parents devaient aller rejoindre, imagine, l'enfant à Québec, fort probablement. Et ça, on a su pendant le reste du souper que c'était une des premières choses sur lesquelles euh, Opération française était pour travailler Et c'est quoi? je pense l'année d'après ou le, peut-être les deux ans en tout cas bref très très vite après ça euh, L'équipement a changé, les moyens ont changé, les ressources sont améliorées et maintenant un enfant qui part de la Gaspésie ou des régions plus éloignées mm -hmm. a, euh, aura euh, son parent, un des parents avec lui qui va l'accompagner parce qu'on a un, hélico un hélicoptère plus grand ou peu importe la raison. Là. Euh, je ne peux pas te donner les détails, mais c'est mm. extraordinaire ça. C'est ça qu'opération Enfant Soleil fait entre autres, c'est de garder les familles ensemble. Tu sais que c'est un des trucs les plus importants pour permettre aux enfants de guérir. Puis juste avant d'aller à la, la pause musicale, la transition, quand tu vois tous ces petits miracles-là, tous, tous ces ces, ces rencontres-là, toutes ces rencontres que tu fais au Téléthon et dans ton engagement en tant qu'ambassadrice, ouais. parce que tu es ambassadrice de la santé, puis de l'amour, puis les enfants, je veux dire, tu, ça. tu, tu repars comment, toi, quand tu vas chez vous? Oh, je, me sens, euh, je me sens privilégiée, je me sens euh, remplie. J'ai l'impression, encore une fois, j'ai envie de te dire, tu le sais, Jean-Marie, tu le sais. Fais pas semblant, tu le sais. <laughs> <laughs> mais pour vrai, tu donnes, c'est mm -hmm. vrai, mais my God qu'on reçoit, tu sais, on reçoit. C'est juste le concret moment du téléthon, mm -hmm. quand on rencontre les enfants, quand on rencontre les familles, ouais. les câlins qu'on a, tu sais. Ben ouais. Quand j'ai tourné il y a quelques semaines avec Dominique Gervais, il y avait un petit gars là, qui s'appelait Théo. Il m'a fait des câlins, mais tu sais, attends, il me connaît pas. C'était la première fois qu'il me rencontrait, mais il se pitchait dans mes bras, là, tu sais. Tu sais, je le vois que as une émotion, ouais, là. Ben oui, je... C'est incroyable mmh. ce que ça fait. Je, je t'en parle, puis j'ai encore des frissons parce que c'est... C'est ça. C'est tout. Ça, c'est tout. C'est tout. <laughs> je sais même pas comment l'exprimer en mots. Puis tu déposes quoi chez l'autre? Tu apportes quoi chez l'autre, tu penses? Une certaine joie de vivre, peut-être. Mm -hmm. une, une espèce de liberté. Une espèce de garde, c'est quoi, c'est correct. Garde si on est bien. Garde si t'es mm -hmm. bien. Garde si t'es bon. Garde comme tu si t'es plus malade. Oui. Ou tu le sens oui. pas que t'es malade. Oui. Ça aussi, c'est le fun de faire. Puis une espèce de c'est quoi le monde là Ben ouais Oui. Puis tu me fais du bien. Ah, oh, ouais. Ça, c'est. Mm -hmm. Ça, là, André Robitaille avait dit, puis c'était lui qui animait les. C'était le ton des, sur la recherche oui. des maladies infantiles. Il disait, le, le bénévolat, ce n'est pas payant, mais c'est enrichissant. Hey, c'est exactement ça. Regarde comment il s'enrichi. En ouais Ah oui, oui, ouais. ah, oui. Je souhaite ça à tout le monde. Ah, T'entends-tu la musique? Oui, ça fait du bien. on hein? se pose On se laisse mariner dans nos ah. belles émotions. Dans des beaux visages, mmh. parce qu'on a des visages dans la tête ah, quand on parle tellement. de ça. Hein? Alors, euh, sur ces euh, petites notes de musique, je vous rappelle que vous êtes... Euh, à Canal M, l'émission Porte-Parole. Notre invité aujourd'hui, c'est José Lavigueur. Ici Jean-Marie Lapointe. On se prend quelques petites secondes, puis on vous revient. Fais attention à ce que tu vas dire, José Lavigueur. Au sujet de la musique? Ben oui. <laughs> non, non, c'est pas ça. C'est que, oui, ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez Porte-Parole <laughs> sur les ondes de Canal M avec José Lavigueur aujourd'hui. On tripète musique, on parle d'un paquet d'affaires. Mais Je... est-ce que tu le dis que c'est ta musique? Je ou le pas? dis de temps en temps quand, mettons, ça allume l'invité. Ben là! Oui, mais je suis musicien de formation, comme toi es danseuse de formation, okay. tu comprends? Okay. C'est. Tu sais que notre vie, notre carrière, nos projets, euh, plus on vieillit. Plus on veut faire des choses qui nous ressemblent. Ah, oui, oui, oui. Rosemarie Charret, qui est l'ancienne présidente de l'ordre des psychologues, disait le bonheur, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble. Mmh. Et quand as une vie qui te ressemble, ça veut dire que ta relation te ressemble avec ton conjoint, ton travail, tes, tes, tes passions, activités, oui, tes oui. passions. Et ce qui me ressemble, la musique fait partie de ma vie. Le projet qu'on fait présentement ensemble, ça me ressemble. Ça te va tellement. Ah, puis je me garde là-dedans, je me garde là-dedans, puis je sais que ça de faire du bien. Déjà là, hmm. si ça fait du bien à Mathieu, notre technicien, à toi, à moi, quand on genre, si, si ça nous sourire, fait du bien, bon. ben, c'est ça. Bon, <laughs> mais si ça, ça fait du bien, il y a des chances que si on la met en ongle, ouais. il y a le potentiel de faire du bien. Hey, et tu nous fais du bien à nous, c'est comme une thérapie. Ben vois-tu, wow. la thérapie, comment m'allonger un petit peu. Ben tu peux le faire, étends-toi, <laughs> good vibes, amuse-toi. <laughs> et tu sais que l'émission, on passe souvent de l'émotion, des larmes, à, au rire, mmh. à la réflexion. Et la deuxième moitié de l'émission, c'est le petit chapeau magique dans ouais. lequel il y a plein de questions. Okay. Tu connais le concept, donc tu vas piger là-dedans, une question à la fois, triche pas. Point faut vas-y, laisse tes doigts se glisser. Oh, longue et, question. Et là, tu la lis et tu y réponds, s'il te plaît. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Oh! Mais c'est tellement facile. C'est moi qui ai écrit cette question-là. <laughs> facile, mais comment euh, dire ça simplement en mots? Un super pouvoir de guérir. Oui, oui, exact. C'est quoi la fin de la question? C'est ça. gars dans hein, la fille qui est concentrée. Non, ça, tu l'as. C'est ben, ça. <laughs> ça Je... dit tout. Mais oui, euh, pouvoir de guérir. Euh, on vient de parler des enfants. Tu sais, il y a. Il y a beaucoup de chagrins dans une vie. T'sais. On a parlé du chagrin de perdre mes parents, mais, mais le plus grand des chagrins, c'est perdre un enfant. Le plus grand des chagrins, c'est euh, l'inquiétude. On le voit, on voit des familles. Mm -hmm. euh, parce que t'sais, quand on aide les enfants, quand on est là pour les enfants avec Operation France-Soleil, on est là pour les familles parce que c'est incroyable ce qu'ils traversent mm -hmm. euh, pour des années. Et, euh, et oui, si on peut. Avoir une petite baguette magique pour guérir ces enfants-là, guérir les gens qu'on aime parce qu'on ne mmh. veut pas les voir souffrir. Et s'auto-guérir aussi, tant qu'à y puisqu'on parle de magie. Oui. Euh, pourquoi pas? De se l'appliquer à soi. Mmh. Mais c'est drôle comment le chagrin est parfois et souvent même un cadeau mal emballé. D'avoir eu du chagrin te permet d'apprécier peut-être d'autres choses. On s'entend quand on est papa, maman, puis on a un enfant qui souffre et malade, ouais. et que ça nous fait s'ouvrir. Ouais. On se sent impuissant, on a de la peine, ouais. mais moi, je me rends compte que les moments de doute, les moments de peur, les moments de dépression, les moments de noirceur ont été des cadeaux mal emballés qui m'ont permis de grandir, d'évoluer. Mais en même temps, ce que tu dis, ça a tellement du sens. Avec une baguette magique, si on pouvait guérir. Parce que, voir les gens qu'on aime souffrir, ah c'est ouais. ce qu'il y a de pire. Et tu sais, je remercie le ciel parce que je n'ai pas vu ça, moi, dans le fond. J'ai vu mon père souffrir quatre jours, c'est tout. Mm -hmm. J'ai pas vu ma mère souffrir. Euh, donc, tu ça, c'est une sorte de bénédiction parce que, apparemment, c'est très, très dur. Puis mes filles oui, sont en super sont en santé, tu sais, vraiment, vraiment. J'ai déjà une autre question. Ben oui, on a, on a pour Il y 20 minutes. Tu là-dedans? Oui, peut-être. <laughs> oh my God, elle est super longue. Oh! Oh ça, c'est intéressant. Attends. Euh, attends, je voulais aller... <laughs> » Tu t'emballes, toi. Hein, « Oh, peux... my God! Ta ouais. maison passe au feu. Oh, mon Dieu. Avec toutes tes possessions. Après avoir sauvé ta famille et tes animaux... Si... Oui, j'ai un chat qui s'appelle Gustave. Tu as le temps de récupérer une seule chose. C'est quoi? C'est un... un ensemble. C'est mes albums de photos. » OK. C'est drôle, hein, parce que... Là, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais Parfait. je pense que c'est ça. Parce que justement hier j'étais à travailler sur... moi je me fais des albums de photos mais des albums euh, papier Physiques, physique ouais pas virtuel pas que je colle des, 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 des photos dans un album avec un, une espèce de saran par-dessus là tu comme dans le temps là les pas non, ça. Non. non non virtuel je l'imprime comme un livre ah et je me du temps là-dessus jamais wow. hein. je capote J'adore ça. Tu viens chez nous, je te montre ça une bonne fois. Là. Et tous les voyages qu'on a fait en famille, alors je décris. Puis là, mes filles, elles trouvent ça qui est des fois. Parce que là, je mets des des, euh, des mots pour décrire le moment ou euh, un endroit historique. C'est quoi ou juste? Pas juste une photo d'une statue, mais c'est quoi cette statue-là? Puis nanana. Des dates, des. Bon, bref. Il y a tellement de souvenirs là-dedans. Et je me rends compte avec les années que pour moi, euh, les souvenirs ben pour tout le monde je pense c'est tellement tellement précieux et je, je pense aussi que je suis quelqu'un qui veut laisser des traces mm -hmm. c'est tout mauvais ça il faudrait que j'aille en thérapie pour ça je veux vraiment tu sais je veux je veux pas qu'on m'oublie je pense que ce serait une de mes plus grandes peurs ça qu'on m'oublie hier j'étais avec la famille Pilon qui ont perdu leur fils Laurent du cancer en, 86, en 2006. Mm. Et quelques temps après, les Cowboys fringants hey. lui ont écrit une chanson, La tête haute. Oh. Et avant de mourir, Laurent dit à ses amis, hey, oubliez-moi pas. Hein. Oh. Même chose avec Joanna Contois que ben j'ai accompagnée. Elle oui. la même affaire. Hey, elle avait peur d'être oubliée. Oh, Donc cette peur-là, elle est, est en normal, nous. Hein. Puis on en venait à la conclusion que quand tu crées une fondation qui porte ton nom, quand tu crées une chanson qui porte ton nom, quand tu as des enfants, quand tu as un événement, ouais. quand tu as des albums photos oh oui. avec des petites thématiques, avec des des. des, euh, des légendes en dessous de la oh photo, ouais. on va te dire tes filles, là, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mettons que tu n'es plus là, là. Ils bon, vont bon, regarder. Au moins 40 ans quand même. Ben, je te le souhaite. Ouais. <laughs> <laughs> je te le souhaite, mais mettons là que t'es pas là dans ben, 50 ans puis eux ben. autres sont là. C'est ce que j'espère. Quel beau cadeau leur offrir. Ouais. Ah non, je trouve que c'est une fichu de on un a. J'ai fait ça depuis très, très, très longtemps. Puis euh, hum. chaque voyage qu'on a fait aussi, on a toujours acheté deux ornements de Noël. Un pour Sarah, un pour Léane. Puis on mettait l'année ah, dessus. C'est comme un souvenir. Donc quel je chaque... les fais maintenant? Maintenant, 25 et 26. Oh, ah, les bébés. chéris Ben non, c'est plus des bébés. Oui, c'est des, des bébés. Voyons, j'en ai un. Oh, c'est bien dur ça! C'est des belles questions, vous êtes fort. Toute catégorie confondue, ton plus grand accomplissement. Ah, oh, ma famille. Parfait! <laughs> J'aime ça. Pas besoin de. Rien manqué, Jean-Marie. Si j'ai la barre 15 secondes. Là. Oui. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir rien manqué. J'ai été là pour mes filles, là. Euh, J'aurais aucun regret à ce niveau-là. J'ai tout vu. J'ai vécu toutes les étapes. Les seules deux périodes qui ont été très dures pour moi parce que j'étais partie longtemps, c'est je ne sais pas si tu te souviens de l'émission Facteur de risque à TVA. Ben oui. Moi, je coanimais ça avec ben ben oui. Benoît puis euh, on était parti six semaines. Hein? Et là, j'avais la première saison, mes filles avaient 4 et cinq ans. La deuxième saison, saison cinq et 6 ans. C'était des bébés là, ça c'était dur. Partir six semaines avec des jeunes enfants comme ça, ça mm -hmm. ça a été très très dur mais sinon, je m'organisais toujours, là, tu pour être là. Euh... Bref, je pense que c'est ça, c'est Expert... ma plus grande fierté. Bravo. Ça mm. fait longtemps ça fait 20 ans à peu près de ben ça Ben oui. Hey, Incroyable. Hein? Benoît Gagnon hein, oui. avec qui tu avais aimé. Ouais. Trip de fou. C'était Hollywood hein? là, c'était ben oui, le plateau de malade. Il hey, y avait de la grosse production là-dessus ah, là. -dessus, là. On a eu la chance de vivre ça là, wow, des shows de même au Québec, elle n'a pas eu le temps là. C'est ben un cadeau de TVA ça. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Ah, Sainte, attends. Sais-tu quoi? J'en ai pas tant. On dirait des déceptions. Une déception, mais c'est vraiment une longue histoire. <laughs> c'est sûr que c'est une longue histoire. Voyons, toi, les raccourcis, tu connais pas ça, hein? Non! Mais tu veux, c'est trop long. Ah ouais, ouais, go. Puis c'est délicat un peu aussi. Je vais essayer de. Je vais essayer de t'abréger ça. Il y a une, une émission incroyable. À Montréal, ben, au Québec, s'appelle Révolution. Ben oui. Il y a eu au tout début, avant même qu'on sache que c'était pour aller en onde, il y a eu des, des rencontres avec des personnalités, on va appeler ça comme ça, pour euh, assister aux premières auditions de danseurs. Et mais moi, je savais pas. Mais j'ai tellement accepté, je voulais tellement voir ça. Tu sais, as compris comment j'aime la danse et tout ça. Puis, euh, mais sauf que j'ai été super discrète, j'ai comme pris mon trou. J'étais la Josée gênée, là, qu'on qu qu voit souvent, t'sais. Hein? Josée gênée ah, qu'on ah, voit crème. souvent? Ben oui. Mais ben oui, oui, oui. Moi, je suis timide, là, sais. C'est vrai? OK. Là, t'sais, j'étais pas comme « Ah! Wow! Salut les gars! Salut les filles! Euh, » C'était pas ça, l'intention était pas claire. Mais j'ai okay. su après que c'était une façon de voir qui aurait le potentiel d'animer cette émission là tu sais parce oh. que la super la, la magnifique Sarah Jeanne était ben là oui. tu sais et euh, tu sais c'est ça c'est ma déception de pas okay. de pas avoir animé parce que bon est-ce que je l'aurais eu tu sais garde pas ça mais de pas au moins avoir affirmé ma réelle passion pour la danse puis ma réelle joie d'être là puis de faire comme oh my god c'est quel privilège oui. d'avoir été invité là pour qu'au moins il m'évalue tu sais là juste comme ton, fait « oh wow t'sais. sous ton vrai jour exact mais mettons on dit c'est une audition on veut te voir si t'es capable d'animer t'aurais performé ou t'aurais mélange les deux t'aurais eu un peu de trac puis de la nervosité puis oh, je pense que j'aurais été plus euh à ah, mon naturel, okay. c'est-à-dire emballé, enthousiaste, heureuse d'être là. Bon. Puis je veux tout savoir, je veux connaître ton background de danseur, puis qu'est-ce que tu mais fais. Mais le Dalai sais... Lama dit, ouais, dis -moi, dis -moi. de ne pas obtenir ce qu'on veut est bien souvent une bénédiction. Oh. Donc, attends, moi, je vais écrire ça. Mais <laughs> tu sais, moi quand j'obtiens pas quelque chose, ouais. je me dis la personne qui l'a en, en a plus besoin. Quand oh, je me fais voler beau, quelque ça. chose, si je me fais voler quelque chose, si je perds quelque chose, je me dis la personne qui l'a trouvé, ouais, ouais, la personne ouais, qui ouais. me l'a volé en a plus besoin oh. que moi. Good. Donc, il y a quelque chose. Ben, ça te permet ouais. de, de, de te détacher. Puis quand c'est à ton tour, puis que tu obtiens le premier rôle, puis tu obtiens tel beau contrat, il ouais. y a peut-être d'autres personnes qui ont passé des auditions. C'est vrai. Alors à ce moment-là, c'est le fun de savoir que ceux qui ne l'ont pas eu peuvent se réjouir pour toi. C'est très, Donc c'est à ton bon tour de ça. te réjouir pour Sarah Jane puis les autres. Alors t'es voilà. garde. Bref, on sait à quel point le, son travail est impeccable. Quel ah ouais. show. C'est une the way. belle personne aussi. Oui, vraiment. Elle, elle mérite le vraiment. succès. C'est beau ce qui lui arrive. C'est une belle Totalement. ambassadrice des jeunes. Ce qu'elle fait avec. Euh, Pierre-Luc Funk, ah, oui. avec les jeunes. Ah, non, tout, je trouve ça, tout, tout. avec les mammouths, là. Oui. Euh, oui. Continue, continue, s'il vous plaît. C'est <laughs> trop le fun. Mais tu sais, <laughs> tu vois, Mathieu, notre euh, metteur en nom, ouais. il, quand tu as commencé à jaser, t'allais dire que ça allait être une grosse question, une grosse réponse. Lui, ouais. il, il a sorti le 15. Il me reste quand même 15 minutes. <laughs> tu aurais pu prendre 8 minutes. Ah, puis, finalement, ouais, hein? tu l'as fait en deux. <laughs> es c'est tellement, dans le fond, c'est très simple. C'est juste que je voulais pas... Euh, <laughs> je, je me dis, il y a peut-être des producteurs qui vont écouter et qui vont faire, ben ouais, mais non, t'as rien compris. Mais tu sais... Je veux dire hein? Peut-être on... qu'un producteur <laughs> est à l'écoute et qui dit oh c'est vrai que ça ferait une bonne animatrice. Ah, on ne sait jamais et jamais on trop tard. Never know. Mais sais, en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, cette, cette on va l'appeler déception parce que c'était la question, <laughs> j'aurais peut-être pas fondé ma zone de fit, j'aurais peut-être pas et voilà. avancé dans ma vie. Est-ce que c'est mazonefit.com ou oui, c'est oui. juste une application qui s'appelle mazonefit Non c'est mazonefit.com c'est vraiment c'est un site c'est une plateforme numérique où est-ce qu'on retrouve plein, 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 plein de choses. Hey, on approche 600 vidéos dans. Euh, attends, j'ai échappé mon papier. Pas pire, jusqu'à date, j'ai pas trop bougé, hein? Je commence à avoir la gigotte là. Bien, tu te ça... regarderas sur YouTube, tu nous <laughs> ah! diras si t'as bougé ou pas. Mathieu, c'est correct. Tu, tu grouilles en main, ça ne pas. <laughs> tu grouilles en tête, ça ne pas. C'est vrai, hein! Et c'est le 220. <laughs> Oh my God! Euh, c'est quoi que j'étais en train de dire, là? Chayez, je par je perds le fil. maison de fil, fit, il y a 600 ça. vidéos. C'est c'est fou. 23 disciplines. Euh, ceci discipline. est une publique. Voilà. Go. Alors, qui, <laughs> euh, qui ou qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, t'inspire le plus? Oh! Hum! Mmh. 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 Il aurait fallu que tu m'envoies ces questions-là. On dirait que j'ai chaud, là, tout à coup. Je bouge trop. Euh, mais en fait, je suis habillée comme un ours, comme tu as pu constater. Il y a plusieurs couches, good, trois... vibes. <laughs> good vibes. Good vibes. Qu'est-ce qui. Toi, tu m'inspires beaucoup, en passant. Merci. Euh... Tu sais quoi? Les gens positifs m'inspirent beaucoup. Je, je, je... Mm -hmm. Les gens qui, euh, qui s'organisent pour, euh, pour être de bonne humeur. J'ai pas le goût. J'ai plus le goût de gens grincheux. Je, je m'éloigne de ça, je suis comme... Euh, j'ai pas le goût de ça, ça m'éteint. Euh, donc les gens heureux, ou en tout mm -hmm. cas les gens qui s'arrangent pour, euh, pour être optimistes, mm -hmm. me rendent, euh, m'inspirent énormément. Ça Parce que, tu sais, il y en a dans plein de circonstances, tu sais, des gens euh, positifs, des gens heureux. Ce pas nécessairement des gens riches, au contraire, ouais. même, tu ce pas des gens, ça n'a rien à voir avec l'argent ou le travail. Ou t'sais... que leur, la vie est facile. Est exactement, pas vrai. exactement. Haïe, sérieux, autre anecdote, et ça, ça fait pas longtemps, c'était cet été. Je suis à Longueuil, à un feu de circulation, il y a un itinérant qui s'approche parce que je suis juste bien placé pour lui. Et je baisse ma fenêtre, j'ai hum. un 2$ juste à côté de moi, j'en ai toujours proche, pour vrai. Je, « Je trouve ça, j'aime ça. » Et là, ben, j'étais en deux dollars. il te fait « Hey, salut! » Il te reconnaît. Ouais. Et ça, ça fait plaisir, tu sais. Je suis comme « Hey, tu me reconnais? T'es bien fin! » Tu sais, comme si c'était un cadeau, tu sais. Comme ben, Il dit « Non, non! » Il dit « T'es Josie! » Puis là, il, il est de même. Mm. « euh, euh... La vigueur! » Et là, je suis comme « Ouais! T'es donc bien beau, tu sais! » Il dit « T'as travaillé avec mon père! » Je fais « Pardon! » Tu sais... C'est un itinérant. On a tellement de clichés, là. Il y a des gens qui auraient fait... Hey, « Eh, voyons, toi, tu sais pas de quoi tu parles. » Le gars super allumé, super fin, le sourire, mm -hmm. la joie de vivre ben qu'il ouais. avait, ce gars-là. Pourtant, il était sur le coin de, je sais plus quoi, Lafayette à Longueuil, tu sais. Je veux dire... Et puis, il m'annonçait que son, son papa, euh, euh, un monsieur pouliot de TVA, était décédé, puis ça m'a fait quelque chose, oh. tu sais. Puis il a dit ça avec une émotion. Puis tu sais, c'est mm -hmm. sûr, on n'a pas eu le temps de jaser 10 minutes, mais... Euh, tu sais, on pourrait penser à, à toute la douleur que ce gars-là a vécue et vit encore aujourd'hui, toute la, la misère. Tu sais. Pourtant, il m'approche avec un grand sourire, il me parle avec, mmh. avec plein de gentillesse à, tu sais, avant même de m'avoir reconnue. Ça n'avait pas rapport. Là, tu sais, Le 30 je... secondes du feu rouge, là, ouais. il y a un monde d'émotion Ah, sainte! À, 30 qui, secondes. à qui c'est s'ouvrir? Parce que si tu t'ouvres pas, mmh. si tu laisses ta ouais. fenêtre en haut, ouais. t'abaises pas, puis t'échanges pas, tu découvres pas que Monsieur M. Pouliot là oh, avec ton, ouais. ton fou, père. Hein? Alors, tu vois la connexion? Ouais. Et, 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 et juste ça, ça vaut bien plus que deux pièces, hey, hein? Ah ben oui, c'est ça. Là, tu sais, tu, tu, tu rebondes ta fenêtre, tu rebaisses ta fenêtre, je te donne un 10$. C'est Donne un muffin, ah, donne un quelque ça. chose. Donne-y quelque chose qui se mange bien parce que beaucoup de, ben, le de pire, filles dans la que rue n'ont pas de j'ai Ben ah, oui, il y en a beaucoup qui vrai. leur manquent des dents. Mais c'est sûr. Mais le pire, c'est que c'est ça que j'ai fait. J'avais un sac de. J'avais un petit muffin, puis je ai donné. J'ai donné. En donné. partant, j'ai quasiment wow. garoché parce qu'il fallait que j'avance. Imagine, je me faisais klaxonner. Ah, oh, c'est sûr. Mais ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ben non, c'est sûr. Ah, ben c'est ça. Un autre gros débat. Oui. <laughs> Une autre question aussi. Ah oh ben j'espère. Mathieu, combien de temps Mathieu. Six. si Six. tout va bien. Ça va très bien. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui euh, qu qu actuellement dans ta vie est ton plus grand défi mmh. 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 mmh, mmh, mmh. euh... <laughs> J'ai plusieurs petites idées. La la plus grande pour vrai. Le plus gros challenge. Le plus gros de challenge. Vie, OK, c'est pratico pratique, c'est pas challenge. vraiment euh, c'est euh, mes crimes. Tu sais, mes filles, ok, je te fais ça vite encore. <laughs> Ma plus grande est partie vers la Colombie-Britannique, travailler en physiothérapie, parce que ici, travailler en physiothérapie, ils sont payés 30$, c'est incroyable. Fin de la parenthèse. Pour des grosses études en sciences. Ouais, fait qu'elle est partie travailler en Colombie-Britannique, aussi l'appel des montagnes, l'appel de la forêt. Si Le te plein dit, air. chez nous, c'est de la folie, là. Euh, ça, c'est mars 22. Fin mars 22, mon papa décède. Mm. Juillet 22, ma deuxième fille quitte la maison. Et un an après, ma mère s'en va. Euh, tout ça a amené tellement de chagrin dans ma vie, tellement de tristesse okay. et euh, m'a beaucoup isolée. Je me suis retrouvée tu sais, vraiment très souvent toute seule parce que je travaille beaucoup de la maison. J'ai un, un chum. Impeccable, t'sais, euh, sauf qu'il travaille énormément. Lui il est denturologiste euh, à Montréal. Puis euh, on s'est retrouvés à deux dans notre grande maison. Et ça, c'est un, un challenge, ça. Tu as beau t'aimer, tu beau. Euh, as, tu le sais là, que tu vas faire les 40 prochaines années ensemble. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut euh, se remettre à avoir du fun ensemble. Hum. planifier des trucs ensemble. On a toujours planifié des voyages à quatre. Tu sais. euh, c'est ça mon plus grand défi, c'est de passer par dessus ce chagrin là, puis en faire, comme on disait en début d'entrevue, euh, en faire plutôt quelque chose de coup de pied dans le derrière, tu sais, euh, aller là. Tu sais. Le chagrin de voir la famille se séparer parce que c'est la, la voie naturelle des choses. Exact. Et où le chagrin d'avoir perdu aussi à travers tout ça tes deux parents. Ouais. C'est beaucoup de pertes dans, une, beaucoup de chagrin. dans un chagrin an. C'est ça. C'est ça. C'est juste ça. Je ne sais pas, je suis pas assez euh, calée en psychologie pour te mettre des mots clairs mm -hmm. là-dessus, mais je sais que, que c'est beaucoup de chagrin. Ouais. Euh, et là, je te dirais que à quelques mois de, du départ de ma mère, euh, je commence à aller mieux. Je commence à me dire non, non, sais il faut, il faut, comme je te disais tantôt, là, il faut que, je, faut que je retrouve la passion de ce que j'aime, il faut que je continue à... Et là, j'ai repris, je trouve mm -hmm. que j'ai repris, euh, j'ai recommencé à danser dans ma cuisine, ce que j'avais comme arrêté de faire, on dirait, j'ai recommencé à chanter à toute tête dans mon char, euh, ce que j'ai toujours fait <laughs> et que je faisais moins. Mm -hmm. euh, fait que je pense que ça revient, je pense que mes parents seraient heureux de ça. Mm -hmm. Et mes filles aussi. Ben tu sais, oui. Je veux que mes filles me reconnaissent aussi parce qu'ils m'ont ils m'ont toujours trouvé un peu clown, un peu, euh, un peu, mais euh, ben, je vais pas me mettre des mots dans leur bouche. Bout en train. Peut-être ou bien énervé. Tu sais. <laughs> je te laisse poser, euh, te poser question. une dernière question. Ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Quel est ton souvenir le plus précieux et le plus terrible de, de ta vie jusqu'à maintenant? Oh, wow. <laughs> Ah, attends, c'est 14 questions ça. C'est deux dans une euh... ton plus beau et le plus terrible de tes souvenirs. Le plus terrible, c'est vraiment, vraiment la mort de mes parents. Je peux mm -hmm. les mettre ensemble. Euh, ben surtout la mort de ma mère, là, parce que c'était vraiment brutal. Euh, le plus le plus précieux, c'est euh, encore là, je fais un groupe, les voyages. Les voyages en famille, mais ouais. mettons que j'en prends un là. Oui. Euh, on s'est gâté en 2015. On est allé voir la famille, parce que Normand, mon mari, c'est un Klinko, c'est bulgare, Klinko. Okay. Et sa mère était, elle vient de décéder, elle aussi. Ah oh là là. Euh, elle était allemande. On est allé voir sa famille, ce qui reste de sa famille en Allemagne ça c'était extraordinaire parce qu'on wow. a fait un road trip de Berlin jusqu'à euh, le sud de l'Allemagne en Bavière, en Bavière uh -huh. à Vie de Fussen si jamais tu oui. connais ou tu veux regarder c'est genre à 5 km de la, la frontière autrichienne c'est à se rouler à terre. C'est beau ça. Oh! T'es dans les Alpes là, à ah, côté c'est hein? beau, c'est beau, c'est vraiment beau. beau. Oh. Quand je te dis qu'on a les montagnes, les rivières, les, Vous étiez les quatre on ensemble? était les quatre oh, ensemble. Wow. On a vu la famille euh, et on s'est déplacé un oh. peu après justement vers l'Autriche et même vers euh, les Dolomites italiennes. Ben oui. Oh my god. Ah, c'était euh, mais parce que tu sais les voyages premièrement c'est un privilège de fou. Nous on a oui. toujours mis un petit peu d'argent de côté pour ça parce qu'on sait à quel point ce sont des moments précieux et aussi parce que quand tu es en voyage, mmh. tu es un par-dessus l'autre en road trip. Tu es, ben oui. es toujours ensemble. Tu as des décisions à prendre ensemble. Euh, c'est les moments les plus rapprochés que tu peux vivre dans une vie, je trouve. Dernière question, c'est moi qui te la pose. Moi, tu je vas... te pose même pas de question. Non. <laughs> tu feras ça dans ta Mais zone fit. <laughs> oui, tu vas m'inviter de toute façon. C'est déjà bouclé dans l'agenda. Tu vas compléter la phrase José la c'est trois petits points. Complète ça comment aujourd'hui? Là, là. Compliqué. <laughs> non, non, attends, sérieusement. Je vous ai la vigueur, c'est. Oh. Une maman passionnée. J'ai droit à combien de mots? <laughs> T'as pas droit à cinq minutes, je peux te le dire tout de suite. Ramasse-toi. <laughs> Ramasse-toi, <-toi. rire> Ramasse c'est bon. <laughs> Une maman passionnée. Une maman passionnée par l'activité physique et le désir. Euh, de faire du bien autour d'elle. C'est pas pire, ça? Alléluia. Aïe, Amen. C'est bon. C'est ça. Là, ça finit. J'ai même pas le temps de te poser de questions. Non. Mais <laughs> mazonefit.com. Oui. On va y aller ensemble. T'es bien bon. fin. Ouais. Merci. Merci, merci, <laughs> ma belle Josée. C'est moi qui te dis un géant merci. Vraiment. Alors, vous venez d'écouter Josée Lavigueur à l'émission Porte-Parole sur Canal M. L'idée originale de cette série, Marie-Philippe Lemarbe. on peut-tu bouger un peu, là? Tu peux bouger si tu veux. <laughs> Philippe Lapointe, directeur à la radio ici, Canal M. Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion. Mathieu Tessier à la mise en monde, à la recherche et à la coordination, Aya Jennifer Ando. Gierli Ormelet pour les réseaux sociaux ici, Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui on se dit à très bientôt. À bientôt.